Allez-vous. Vous voilà. C'est moi. C'est maman. Je vous prie de m'excuser, vraiment, je suis navré, mais non, cette circulation, vous savez, ces bouchons, c'est vraiment, ça devient impossible. Pardon. Bonjour, cher Roussier. Ah oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. Pardon. Pardon, chère madame, bonjour, bonjour. Mais je plaisante, vous savez, je l'aime déjà, cette petite. Oh, elle est si mignonne. Eh ben, on embrasse maman, mamie. Oh, qu'elle est mignonne, ben, approche-moi, mon petit. Je l'aime déjà, cette petite. Elle est là, elle est adorable, elle est intimidée, forcément. Ben, pas du... Je vous fais peur. Oh, le petit bouchon, ce qu'elle est mignonne. C'est une petite fille. Oh, mignon. Oh, que mignonne. Tu as une cigarette? Tu vas essayer d'arrêter ta mère, tu lui expliques. Merci. Veuillez m'excuser un petit instant, je... Bah, où va cet enfant? Monsieur est servi. Eh bien, Jacob, qu'est-ce qu'il vous prend? Rien. Rien du tout. Vous savez, ces domestiques, quel problème! Nous en parlions à l'instant, chère madame. C'est quasiment impossible d'être servi à notre époque. À qui le dites-vous? Vous n'imaginez pas le nombre de bonnes qui se sont succédées dans cet appartement. Oh, et toutes aussi codiches les unes que les autres. Pas méchantes, mais maladroites, vous savez. C'est terrible. Je pourrais vous en citer une bonne demi-douzaine. Roger, Marcel, Lucien, André, à table. Michel. Quoi? À table. Oui, vous. Pas de raison pour être désagréable. Voilà, alors, Monsieur Charrier à ma droite, Renato se mettra là à ma gauche, Madame Charrier, et la petite, oui, la voilà, en face de sa maman. Je vous en prie. Elles sont curieuses, ces assiettes. Oh! Ce sont des jeunes gens qui jouent ensemble, non? Vous savez, il y a tellement d'assiettes dans cette maison que je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. J'ai l'impression que ce sont des Grecs. Ben, hein? En effet, des Grecs dans mes assiettes, c'est bizarre. Bon, attendez, ce sont des garçons, hein, ce sont des garçons. Des garçons? Mmh. Vous avez des garçons, il y a sûrement des filles aussi, non? Vous n'avez pas des filles? Mmh. Oh, si, bien sûr, je crois en avoir vu une. Oh oui, elle est mignonne, la gauche, naturellement. Et mignonne à la raison, vous voyez, là, vous avez une fille, là. Ça, c'est une fille, ça, là, non? Ben, il y a longtemps que vous n'en avez pas vu, c'est pas possible. Parce que non, ah non, ce sont des garçons, c'est pas des visites, ils sont tout nus. Voyons, sur mes lunettes. Ah. Imbécile. Il met le couvert, il ne remarque rien. Donne-moi la casserole. C'est extraordinaire, ça, je ne les trouve jamais. Voyons. Ah. Voyons, à quoi jouent-ils ces Grecs? Soupe paysanne à la martiniquaise, une spécialité de Jacob. Vous comptez rester un peu sur la côte? Non, mmh. Je n'aime pas rester trop longtemps éloigné de ma circonscription et puis... De ma circonscription. Oh, dis donc. Puis j'avoue que l'ambiance de ce pays, le ciel, les légèretés des mœurs, tout ça, ça me soulève le cœur, quoi. À propos, ça ne vous gêne pas, cette boîte de nuit, là, en dessous de chez vous? Une boîte de nuit? Oui, oui, cette espèce de night club, là. Hein, c'est la cage aux folles. Ah oui, la cage aux folles. Oh. Oh, non. Mais c'est la même maison. Vous partagez les murs avec ces gens-là? Ah, mais seulement les murs. Seulement les murs. Mais ça, nous ne les fréquentons pas. Hein. On ne les fréquente pas du tout. C'est un autre monde. Oui, mais qui est propriétaire des murs? Nous. Et vous? Louer votre cave à un patron de nightclub? Oui, mais oui, oui, bah, oui. Bon, seulement nous ne savions pas que c'était un patron de nightclub. Naturellement, nous ne le savions pas.
Non, parce que c'est un homme qui parle très peu. Il est très, très taciturne, alors juste bonjour, au revoir, mais pas du tout le genre à vous dire, bah tiens, je vais installer un nightclub de vodka, ça c'est pas le genre du tout, le mec. Pardon.